Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier la prière de combat spirituel dès 6h du matin pour commander votre semaine, commander votre journée, planifier vos victoires et vos récoltes. Vous pouvez répéter après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par sept chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je te remercie pour les nombreuses bénédictions que tu m'accordes en ces jours. Je te remercie pour ma santé, la force que tu me donnes. Je te remercie, Seigneur, pour la merveilleuse joie abondante que j'ai reçue en ton nom. Je te remercie pour l'opportunité que tu me donnes de te servir. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que tout autel agressif qui s'élève contre ma vie en cette journée soit nul et sans effet au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout prêtre maléfique qui rend ministère contre moi sur un autel maléfique reçoit l'épée de Dieu et soit brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que tout autel qui s'élève contre moi
pour combattre mes percées divines soient renversées, brisées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, lève-toi et brise tout problème générationnel dans ma vie. Tout cycle de difficultés générationnelles, brise-toi maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout vautour de la destinée de la maison de mon Père meurt et soit brisé, au nom de Jésus-Christ. Je renvoie toute flèche de la sorcellerie tirée dans ma vie depuis ma naissance jusqu'à maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Fais de Dieu, tonnerre de Dieu, poursuivez tous mes poursuivants générationnels, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir maléfique de la maison de mon Père, de la maison de ma mère, de la lignée de mon père ou de ma mère, qui ne veut pas me laisser aller, qui ne veut pas ma prospérité, mon avancement, soit brisé maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir maléfique, générationnel, façonné pour gâcher ma vie, disperse-toi maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je détruis et je brise toute maladie héréditaire dans ma vie par le sang précieux et puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir des idoles de la maison de mon Père meurt, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir maléfique qui utilise la maladie depuis la maison de mon père, de ma mère, de la lignée de mon père ou de ma mère, soit brisé maintenant. Meurs au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui paralyse ma destinée soit paralysé et brisé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout architecte de cercueil spirituel, je t'ordonne de tomber et de mourir, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir maléfique de la maison de ma mère qui utilise la maladie pour me poursuivre, meurs au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, tout homme fort de la maison de mon Père, meurs au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je réduis au silence les cris des idoles de la famille de mon Père, celle de ma mère, les cris de pouvoir maléfique des maisons assiégées contre moi, je le réduis en silence. Je les réduis maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Fais du Saint-Esprit, consume tous les autels spirituels maléfiques de la maison de mon père, de ma mère qui me poursuit. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je brise tout calendrier de maladies, de pouvoirs maléfiques, de maisons assiégées. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que les conséquences de mains sataniques qui m'ont porté quand j'étais bébé expirent et soit annulé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Je brise toute servitude du placenta maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, retourne dans le jour de mon enfance et purge ma vie, lave mon corps, mon âme, mon esprit par le sang de Jésus-Christ. Semence satanique dans ma fondation, meurs au nom de Jésus-Christ. Serpents et scorpions plantés dans la sorcellerie depuis mon enfance, meurs au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise tout tueur de gloire enraciné dans ma fondation au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute consultation satanique concernant ma vie soit annulée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ô Dieu, lève-toi et visite tous les autels assignés contre moi avec les tonnerres et les tremblements de terre au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, lève-toi dans ta puissance purificatrice et nettoie mes racines maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir d'Hérode qui scrute mon étoile, je t'enterre maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Joug enterré dans la fondation de ma vie, brise-toi. Tout problème enterré dans mon enfance pour polluer mon avenir, meurs au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Aimant d'échec de la fondation, prends feu maintenant. Plantation de ténèbres qui trouble mon étoile, consume-toi maintenant. Pouvoir anti-concentration qui trouble ma destinée, meurs. Puissance pour interpréter les langages de mon étoile, descends sur moi maintenant. Que tout pouvoir maléfique soit brisé. Que tout mage qui scrute mon étoile soit frappé d'aveuglement au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Puissance pour lire mon avenir, l'écriture de mon étoile dans le ciel soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Tout serviteur de Satan qui utilise la lune, les étoiles, la terre, la mer, les forêts pour scruter mon étoile, soit frappé d'aveuglement au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, envoie tes anges le plus puissant pour prendre possession de mon ciel, pour préserver mon ciel et mon étoile au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, envoie tes anges pour combattre et récupérer mes hauts lieux que l'ennemi a volés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, retourne dans mon enfance et répare ma fondation au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
toute plantation satanique dans mon enfance soit dissoute par le feu du Saint-Esprit. Tout effet de toute mauvaise chose que j'ai avalée ou consommée quand j'étais enfant soit annulé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tous les autels sataniques érigés contre ma destinée soyez renversés par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et envoie un feu dévorant sur tout couvent des ténèbres assigné contre moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pouvoir assigné à capturer mon étoile, perdez votre emprise maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute sémence de la méchanceté plantée dans mon enfance, que le feu de Dieu vous localise, soyez frappé, brisé, détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pouvoir planté dans mon enfance pour troubler mon avenir, écoutez la parole du Seigneur. Le Seigneur enverra la sécheresse sur vous aujourd'hui au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pouvoir planté dans mon enfance pour troubler mon avenir, je sèche ton fleuve comme le Jourdain a séché au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pouvoir planté dans mon enfance pour troubler mon avenir, je sèche tes racines comme le Seigneur a séché le figuier au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pouvoir planté dans mon enfance pour troubler mon avenir, je fracasse tes portes au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute eau amère de maladie qui coule dans ma famille venant du pouvoir maléfique de la maison de mon père, sèche-toi maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute corde qui lie ma lignée familiale à tout pouvoir maléfique de la maison de mon père, de ma mère, brise-toi maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout esprit de propriété terrien qui trouble ma santé soit paralysé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je recouvre ma santé volée par le pouvoir maléfique de la maison de mon père. Je récupère ma santé maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que les dieux d'Élie se lèvent pour détruire tout héritage maléfique de la maison de mon père et de la maison de ma mère. Tout prêtre satanique qui rend ministère dans ma lignée familiale soit retranché au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Flèche de maladie provenant de l'idolâtrie, perdez votre emprise au nom de Jésus-Christ. Toute influence de pouvoir maléfique de la maison de mon père sur ma vie meurt au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout réseau de pouvoir maléfique de la maison de mon père, de mon lieu de naissance, qui cause la maladie dans ma vie, disperse-toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que ma journée est bénie. La grâce de Dieu m'entoure comme un bouclier et la première des choses que les gens remarquent lorsqu'ils rentrent en contact avec moi, c'est le bouclier
de la grâce et de la faveur. Je reçois des privilèges spéciaux car je suis un enfant de Dieu grandement favorisé. La grâce et le pouvoir de Dieu marchent avec moi. Aucune mauvaise chose ne m'atteindra à cause de la puissance de Dieu dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je reçois le pouvoir de Dieu, l'onction de Dieu qui me distingue parmi plusieurs en cette journée. Aucune mauvaise chose ne m'arrivera car la grâce de Dieu marchera avec moi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ainsi, j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.